OK! Mercredi 15 novembre 2023, on a eu notre premier café Rivo ce matin. Ça m'a permis d'avancer pas mal mes objectifs Gallery of Greats. Et après le live, ben j'ai fait quelques matchs à semi-pro à Clash pour compléter les buts. Et c'est maintenant chose faite. J'ai fait 50 buts avec des joueurs de l'événement Galerie des Grands. On s'en va donc récupérer un pack élite, non échangeable, mais gratuit. Oh yes! Ah ouais, un peu de pack, Locke. On voit ici, j'ai un pack de 3 joueurs. Celui-là, je le garde de côté et je commence à faire ça, là, me mettre des packs de côté, soit pour ouvrir en live avec vous autres ou tout simplement pour en avoir le plus possible lorsque Toti arrivera. Mais on veut voir si ça valait la peine de tout débattre le club afin d'y insérer le plus de joueurs Gallery of Greats dedans. Parce que Christy qui était pas tout bon ce joueur-là. Fait que est-ce que ça valait la peine pour grinder et mettre la main sur un pack élite de 10 éléments, au moins 5 joueurs de 80 minimum? On y va. Au moins grâce à votre présence dans le live, ça n'a pas été un trop gros grind. On a fait beaucoup de games dans le live, 10 à peu près. Fait que ça a bien aidé ça. 81. Oh, ça a lagué, mais c'est juste un chandail or. Au moins, ça avait lagué pour nous donner une mauve. 80. OK. Ah, les maudits Hurricanes. 80. Ah, les 80 d'Europe, ça m'aide pas. OK, pour vrai, là. Hurricanes puis Hurricanes. OK, j'aime le gag. Esti. Chandail encore. Oh! Oh! Une autre spéciale! Tabarouette, la PAC, Loc! OK, fait que j'ai une série globale. Jake Sanderson, jeune défenseur aux grandes oreilles des Sénateurs d'Ottawa. 1,91 m, 88 kilos. Oh, un beau patin. Le tir, on va souhaiter que la carte monte, mettons. Mais c'est pas pire pantoute, ça. OK. Hey, ma première carte série globale, j'en reviens pas de la PAC, Loc. J'en reviens pas. Dans un pack gratuit, tout ce que j'ai eu à faire, c'est grinder pour faire 50 buts. C'est assez faisable, sans se forcer. Il reste encore plein de jours pour compléter cet objectif-là. Mais là, comment qu'il peut upgrader Jake Sanderson? Là, je suis pas sûr, mais 84 d'OV, Christy, c'est à égalité avec Bobby Orr pour mon meilleur def, ça. Tabarouette, hey, pack, Loc. On est devant la pastille de la série globale. Je peux pas dire que je la trouve claire. Donc, on a 4 dates à surveiller, le 16, 17, 18 et 19 novembre. Et plus un au joueur gagnant, mais c'est écrit au singulier. C'est peut-être juste mal traduit. Bref, on surveille la carte du coin de l'œil pendant une bonne durée de 4 jours. On verra si ça va monter. On se croise les doigts. Mais ma pack là qui s'arrête pas là. J'ai pogné dans un autre pack 3 joueurs obtenu dans un live moment. Une autre carte spéciale, je vous montre ça. Je le filmais pas ce pack-là parce que je m'attendais tellement à rien. Mais wow! Une autre 85, ça commence à en faire pas mal cette année. J'ai un excellent début de saison en pack-lock. Patin 85 comme colonne, c'est ordinaire. Mais ça peut aller. Un tir dans les 90, c'est magnifique. Autant dans la précision que dans la puissance. Les mains, c'est fort respectable. Beaucoup de main-œil, j'ai hâte de voir. Dans la colonne mise en échec, c'est très ordinaire. Dans la colonne défense, c'est ordinaire. Mais justement, Patrick Laine, je m'en sers pas pour défendre, je m'en sers pour attaquer en avant tout. Et j'ai en plus l'aptitude superstar qui vient avec ma synergie. Très heureux de mon pool, non échangeable, mais de la pack là comme ça, on peut pas refuser ça. Et l'aptitude X à saute, je l'aimais bien. Amélioration des tirs frappés en patinant. Hey, parle-moi de ça, une autre carte gratis, je suis preneur. En plus, c'est un gros droitier, c'est une denrée rare, ça.